Dans l'épisode précédent, nous avions suivi Ariane, une jeune chercheuse en sciences de l'éducation, se constituer un corpus numérique à partir de Gallica. Elle s'intéresse à la notion de roman national et veut élargir sa recherche à l'ensemble des manuels scolaires de la Troisième République. Pour cela, elle construit sa requête à partir de la recherche avancée. Elle tape « Manuel d'enseignement primaire » dans le champ « Toute la notice » et en mode « Texte » par format. Elle lance la recherche et obtient 715 résultats qu'elle va exporter dans le rapport de recherche. Le rapport de recherche permet de travailler sur une liste de résultats. Ceux-ci sont déployés au volume ou au fascicule, ce qui explique pourquoi leur nombre est ici plus important. Ariane peut se constituer un corpus en recherchant, par exemple, les occurrences du nom Napoléon. Elle en trouve 332. Grâce à la visualisation des extraits en mode image, elle repère tout de suite des appréciations très différentes. Par exemple, le manuel chrétien d'enseignement civique de l'abbé Huguenot présente Napoléon comme un grand capitaine. Alors que la méthode de langue française par Bruno et Bonny souligne l'échec de son règne, il épuisa la France et ne l'agrandit point car, à la fin, il la rendit plus petite qu'il ne l'a reçue de la Révolution. Le numéro de page renvoie au document intégral dans Gallica. Cliquer ici sur l'œil permet d'accéder au texte et de copier l'extrait. Grâce aux fonctionnalités de fouille et de prévisualisation, Ariane creuse l'axe du roman national en faisant ressortir les oppositions entre les républicains et le clan clérical. Elle recherche cette fois le mot « laïque » et obtient 84 résultats. Ariane trie les résultats par leur date d'édition pour voir l'évolution dans l'emploi du terme et choisit d'en afficher 50 par page afin de les faire défiler rapidement. Les manuels les plus anciens de sa liste remontent à 1821. Avant la Troisième République, le terme « laïque » est surtout mentionné dans les listes orthographiques, puis en opposition à « ecclésiastique ». Mais c'est en 1882, avec les premières lois de Jules Ferry, que le terme entre en force dans les manuels. Dans le camp républicain, Jules Stig donne une définition particulière de « laïque » comme synonyme de « populaire ». Quant à l'abbé Huguenot, il critique le remplacement des religieuses par des institutrices laïques, qu'il considère comme des dépenses inutiles. En parcourant ainsi les vignettes, Ariane identifie facilement les passages pertinents. Sans le rapport de recherche, elle aurait dû feuilleter des centaines de manuels. Ariane peut ensuite sélectionner soit les documents à l'unité, soit les résultats affichés sur la page, soit tous les résultats, en cliquant sur le bouton « Exporter ». Deux formats lui sont proposés, CSV, pour obtenir les données dans un tableur, ou PDF, pour récupérer toutes les vignettes où se trouvent les occurrences des termes recherchés. Elle choisit le CSV pour obtenir la liste des identifiants ARC de son corpus et les données bibliographiques. Ariane tape son adresse email pour recevoir le lien de téléchargement des fichiers. Ariane doit faire appel aux API de Gallica afin de récupérer tous les documents de son corpus. Pour faciliter la prise en main des API, des scripts sont déjà codés et prêts à l'emploi sous forme de notebook, qu'elle pourra exécuter par exemple avec une instance Google Colab ou autre. Retrouvez tous les scripts sur le GitHub BNF, de la documentation et des exemples sur le portail API et jeux de données.